Ce manomètre oblique, relié à un pitot double, permet de faire une lecture de la pression dynamique qui passe donc à travers la mesure. Cette mesure se fait donc au niveau ici d'une pression totale, hein, qui va s'afficher à ce niveau-là, et une pression statique, qui est juste ici, les mesures sont juste ici, donc perpendiculairement au passage du fluide, hein, avec une liaison de cette pression juste ici. Et donc la différence des deux va nous donner directement la pression dynamique en millimètres de colonne d'eau sur ce manomètre. À partir de là, en appliquant la loi fondamentale de l'hydrostatique, P égale ρ gh, on peut trouver la pression en pascal et on peut en déduire la vitesse dans la gaine, puisque on sait que la vitesse est elle aussi fonction de la pression dynamique qui était égale à L à 1/2 de ρ v².